sommes là ce jour pour notre travail sur l'éthique et société comme thème de ce jour. Qui parmi vous peut nous dire que signifie TIC? TIC signifie technologie, information et communication. Jamila Ouattara vient de nous dire que TIC signifie technologie de l'information et de la communication. Qui peut nous définir un peu la société? Une société est un groupe organisé d'humains ou d'animaux et a établi des relations durables. Des différents éléments concernant la technique. Nous en avons trois. Oui, lesquels? La technologie sociale, la technologie instrumentale et la technologie économique. Très bien. Il y a la technologie instrumentale, sociale et économique. Qui peut nous faire un lien entre ces trois éléments? Le lien entre la technologie instrumentale, sociale et économique, c'est que l'homme est parti de rien sur le plan social qu'il est et a fabriqué quelques outils technologiques qui lui ont permis de rentabilité sociale sur les produits agricoles. Oui, quelques exemples d'inventions en matière de technologie. Comme invention à technologie, nous avons la fameuse tablette, table, l'iPad ainsi que l'Internet. Qu'entendez-vous par information et communication? Une retransmission de signaux groupés, oraux ou écrits. On transmet et on reçoit. Et à partir de cette réception, due à la diffusion, on essaie de concrétiser et d'orienter nos manières de faire les choses ou de les gérer en fonction de notre tempérament. Très bien dit, M. Kambo. Donc, l'importance de l'information et de la communication, c'est d'avoir s'initié, envoyé pour qu'il y ait une réception. Et à partir de la réception, on essaie de mettre des outils d'utilisation en place, soit diffusés, soit concrétisés, soit maintenant par faire des projets ou les synthétiser dans des domaines divers. Très bien. Maintenant, quel espoir la société, nous, qui sommes des éléments de la société, nous avons vis-à-vis de la communication et de l'information? L'information et la communication pourront contribuer à la croissance économique, à l'amélioration de la qualité des bien-être, des services existants et aussi du développement des nouvelles sociétés. Bon, dans la cybercriminalité, certains utilisent, comme la technologie s'est développée, certains utilisent les ordi, les portables pour en arriver, soit et faire du mal aux autres, voler. Ouais, c'est tout. Ok. On peut en arriver, voler et on peut torpiller quelqu'un par sa photo. Torpiller, ça veut dire l'amener à être une autre personne que. Voilà, que ce que vous avez vu. Et comme elle a dit la dernière fois, un élève qui a dit dans votre classe, grâce à la technologie, il y a peut-être qu'il y a l'avion que nous pouvons aller très vite pour nos rendez-vous. Il y a des inconvénients. On peut faire crash. Ok? Il y a le métro, problème. Il y a le train à grande vitesse. Il y a problème. Tout ça, c'est des problèmes liés à la nouvelle technologie.